Le travail du gardien sur la semaine, il va se décomposer sur différents thèmes. Alors le premier thème, c'est comme aujourd'hui, là, le travail de reprise, qui va se décomposer le mardi sur un travail de jeu au pied, alors que ça soit sans pression, sous pression. Aujourd'hui, on est capable, le gardien, de travailler au sol, aérien, enfin, mi-long ou très long. Donc voilà, il faut être capable de gérer tous ces aspects-là. Après, sur le travail de reprise aussi, on a un travail de gamme, donc de gamme technique. On a pu le voir sur le travail de prise de balle mi-hauteur, au sol, plongeon mi-hauteur, plongeon au sol. On est capable d'enchaîner aussi ce travail-là. Sur la séance d'aujourd'hui, j'ai voulu accentuer aussi sur l'aspect un petit peu athlétique de reprise, sachant qu'on joue samedi. Donc on avait aussi un aspect athlétique aérobie et un petit peu PMA qui rentrait en jeu. Tous les exercices sont basés à la base des exercices sur du jeu au pied, parce qu'aujourd'hui on le sait, le jeu au pied chez un gardien, c'est le premier relanceur, et ça permet aussi de casser des lignes quand il y en a besoin. Donc il doit être capable de s'adapter sous pression, bien évidemment, sans pression aussi, et d'analyser l'aspect tactique de notre équipe mais aussi de l'adversaire. Et c'est pour ça que ce jeu au pied est très très important aujourd'hui pour aller chercher vers l'avant et chercher des situations de déséquilibre. Prise de balle, ok. Derrière, ballon mi-hauteur. Derrière, je relance ici sur un mec. Très vite. Je me resitue là. Prise de balle, mi-hauteur, je relance. Prise de balle, mi-hauteur, je relance. Il y a un numéro 1, bien sûr, qui va jouer le week-end. Mais il y a le numéro 2, le numéro 3 qui sont très très importants pour le numéro 1 et pour moi aussi, parce qu'ils sont concernés à 100%, voire à 200%, et encore plus celui qui ne joue pas. Parce que celui qui ne joue pas va travailler encore plus que celui qui joue. Donc c'est aussi pour ça qu'il est très très important de les concerner à l'entraînement. D'où mes situations aussi d'exercice que je fais, c'est très porté sur le match. Et donc d'où ces situations de frappe, que ce soit en angle fermé, dans l'axe ou même sur les aériens. Voilà, il est important d'intégrer tous mes gardiens dans la séance. Sinon, mon travail n'est pas fait jusqu'au bout. Là, hey, ok, hey, deux, hey, ok, là, hey, tu as bien joué, dernière, là, ok, une de chaque côté, t'as bien joué, Joël. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le gardien de but, c'est une famille, on le sait, ils le savent aussi, ils sont trois. Ils connaissent le rôle, ils savent très bien que le week-end n'a qu'une place, bien évidemment. Mais ça fait partie aussi du travail. Et moi, voilà, c'est quand je suis arrivé, c'est ce que j'aurais dit. Moi, je veux qu'on soit une famille, je veux qu'on se dise tout et qu'on puisse se dire les choses quand ça va ou quand ça va pas. Donc, voilà, c'est aussi l'objectif de travail, que ça soit une très très bonne ambiance et qu'on ne se tire pas dans les pattes, bien au contraire, mais qu'on tire vers le haut pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Oui. La suite, ça sera de faire un choix sur celui qui va jouer en championnat. Voilà, ça c'est un choix qui sera fait en staff et surtout avec le coach. C'est le coach aussi qui aura le dernier mot. Moi, je suis qu'un appui pour le coach. Je suis un conseil, mais c'est le coach qui prendra la décision. Voilà, donc ça c'est clair et net entre nous et c'est juste normal. Voilà, ça fonctionne comme ça dans le haut niveau et ça doit fonctionner comme ça.